Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur Vox Africa si vous venez de nous rejoindre pour un programme exceptionnel, une émission spéciale où nous avons la chance ici dans nos studios parisiens d'accueillir un hôte de poids, un poids lourd de la politique, on peut dire, traditionnelle africaine puisqu'il s'agit d'un roi, un vrai roi, le roi de Bamanjoun. Je pense que nous allons au cours donc, de cette émission en apprendre aussi bien sur les traditions, sur ce qu'était l'Afrique avant, avant l'arrivée de ce qu'on peut appeler les colons et l'établissement étatique à l'occidental. Là, c'est les traditions africaines. C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir avec notre invité d'honneur. Merci déjà, votre majesté, de nous avoir... Euh, ben, accorder votre présence au cours de cette émission. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter par rapport à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas euh, Je commence d'abord par vous remercier de m'avoir invité, surtout par surprise, dans votre studio euh, que je ne connais même pas, mais je suis très enchanté, je suis très honoré d'avoir été invité par vous. Je m'appelle Sokoudjouramo Jean-Philippe. Mais de tradition, on m'appelle Chenju de Sukujoramou jean philippe Ceci part de la manière dont j'ai été né au palais de la chefferie de Baminjou. Voilà, en gros, comment je m'appelle. Alors, je me mets toujours à la place du téléspectateur qui ne connaît pas grand-chose. Et d'ailleurs, moi-même, je pense que je ne connais pas grand-chose. Et j'espère, à la fin de cette émission, éclairer mes lanternes. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir ce que c'est concrètement une chefferie Puisque c'est quand même dans un État, l'État du Cameroun, ce n'est un secret pour personne. Et afin qu'on puisse faire la différence entre vos prérogatives, votre royaume, ben les Bamilékés eux-mêmes et bien sûr cet État qui est le Cameroun. Euh, la chefferie euh, en pays bamileke au Cameroun où je suis né et en Afrique en général, avant l'arrivée des colons, étaient des États en miniature. Ce qu'on appelait les royaumes, c'était des États en miniature avec tout ce qu'un État peut à voir dans sa constitution. C'est-à-dire, c'était des États avec une justice, avec l'armée, avec tout ce qu'un État peut contenir. Donc, ce n'est qu'à l'arrivée des colons qu'on a vu euh, le pouvoir de ces États diminuer. Voilà, en résumé, ce qu'on entend par une chefferie en pays bamléqué et au, euh, au Cameroun, en Afrique en général. Alors, on a remarqué quand même qu'à l'ouest du Cameroun, pour vous situer euh, et euh, situer les téléspectateurs, le Cameroun se trouve en Afrique centrale, au cœur même de l'Afrique centrale. Et au sein de ce pays, à l'ouest, c'est là où se trouve euh, ben, donc, euh, ben, la région, si on peut dire, les pays euh, bamlikés, avec euh, notamment ces chefferies. Il y en a plusieurs. Comment expliquez-vous justement qu'il y ait plusieurs et comment sont constituées ces différentes chefferies euh, Ces chefferies à l'ouest du Cameroun, et constitué, comme je viens de vous le dire, ce sont des petits États en miniature. Il est certain que depuis l'arrivée des colons, tous ces États ont, payé, ont perdu leur pouvoir. Mais euh, personnellement, je suis très content. Pourquoi Parce que si ces chefferies euh, à l'ouest du Cameroun résistent jusqu'à présent, c'est grâce à l'adhésion de la population à cette structure traditionnelle qu'est la chefferie. Parce qu'à l'Ouest, la population de l'Ouest est beaucoup plus attachée à leurs institutions traditionnelles qu'aux institutions modernes. Voilà pourquoi ces chefferies peuvent aujourd'hui être comme, continuer à être traitées comme des petits États en miniature. Alors avant de faire l'entonnoir euh, concrètement sur le royaume de Bamunjou, votre royaume, et vous nous direz d'ailleurs euh, s'il y a une signification euh, de ce nom pour euh, les profanes comme moi, ou comment est-ce que le nom a été choisi, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà euh, nous dire euh, quel est le rapport et quel est le lien qui puisse avoir entre vos sujets et vous-même Est-ce que c'est un schéma de type occidental, celui que l'on connaît lorsqu'on voit un roi ici euh, en occident, on a depuis Paris même si Paris est une république, euh, est-ce que c'est euh, des spécificités euh, propres à l'Afrique et notamment au Cameroun J'ai eu à d'autres occasions à dire que contrairement à ce que l'occident a toujours pensé de l'Afrique, c'est-à-dire que les chefferies traditionnels sont des structures dictatoriales. Je pense que, euh, personnellement, pour moi, euh, c'est le contraire. Pourquoi Parce que l'Afrique, je peux dire que l'Afrique, en euh, démocratie, est une vieille, et sont des vieilles démocraties. C'est pour cette raison, quand vous posez la question de savoir si les chefferies traditionnels sont calqués sur le type occidental, je dirais que plutôt l'Occident a calqué sur le type africain, son style de démocratie. Et c'est ça qui a fait sa vie jusqu'à présent. Pourquoi Parce que avant l'Occident, ces institutions ont fait des, des siècles. Et si elles si ont elle continué à faire des siècles, c'est justement parce que le peuple était adhéré et était satisfait du service dont ces institutions bien qu'étant traité de dictatorial, rendait au peuple. C'est pourquoi ça a toujours rencontré l'adhésion du peuple. Et c'est pour cette raison qu'à l'Ouest-Cameroun, par exemple, ces institutions continuent à être soutenues par le peuple. Donc, ce sont des institutions purement démocratiques. Il n'y a, a, a pas question de dire que est-ce que c'est calqué sur le type occidental. Non, je peux dire qu'au contraire, le type, quand on parle de l'Occident, L'Occident a plutôt carqué parce que c'est l'Occident qui a traité les assemblées consultatives dans les chefferies de l'Ouest au Cameroun comme des sociétés secrètes. C'était des assemblées consultatives et non des sociétés secrètes telles qu'on les avait traitées. Et voilà le type de démocratie qui permettait au roi de prendre des décisions, il ratifiait, mais il ne décidait pas. Mais en traitant les assemblées consultatives, des assemblées. Secrète, c'est donc que c'était une façon de transformer cela en dictature, alors que personnellement, par rapport à mon expérience, ce n'était pas ça. Votre Majesté, euh, ces questions visent à permettre aux téléspectateurs, à travers cet œil électronique, ces yeux électroniques qui nous entourent, les caméras, de découvrir. Euh, quelque chose qui peut nous être lointain et puisque nous avons la chance de vous avoir là c'est pour cela que j'essaye de creuser pour vous amener à nous enrichir donc de vos connaissances et en parlant d'enrichissement est-ce que vous pourrez nous dire comment euh, est-ce que vous avez fait le choix peut-être pas vous je parle de votre royaume du nom de Bamenjou euh, le nom de Bamenjou par exemple n'a pas été un choix ceci a traduit c'est-à-dire le nom de Bamenjou traduit la puissance dont cette, cette population avait envers ses voisins. C'est un, un royaume qui a fait plus de guerres, était très fort en guerre. Donc c'est d'abord mon arrière-grand-père qui a été très puissant, d'où lui est venu ce nom. Ça veut dire que quand il se décidait à vous attaquer, quiconque soit ce que vous pouvez faire, il s'en sortait avec vous. C'est pour cette raison que euh, un prince de Baham... Par exemple, lui avait attribué ce nom d'un petit malheur, Moujou, mm -hmm. parce qu'il était tout le temps agressé quand il traversait ce territoire. Et lorsqu'il rentrait à Baham, on lui demandait quelles sont les nouvelles de Monsieur sur là-bas. Parce que les Baham, les Banjuns, tout ça, Bayangam, nous appellent communément les Passue. Donc quand on lui demandait les nouvelles de là-bas, il disait, en dehors de ce petit malheur qui m'agressait tout le temps, toutes les nouvelles sont bonnes. Cela, cela était venu, le nom de Baptême, parce qu'il était tout le temps agressé quand il partait. À oui. Alors vous avez dit tout à l'heure que votre royaume, c'est la démocratie, c'est l'honneur qui s'est calqué sur vous. Est-ce que vous pouvez, pour nous autres, nous expliquer comment fonctionne à l'intérieur de ce royaume, comment c'est hiérarchisé Voilà, si nous prenons le cas de bamenjou Maman joue par exemple à 23, qu'on peut appeler aujourd'hui des sous -cheferies. Et voilà comment, et ces sous ont à la tête le roi que je suis. Et il y a des conseils des notables, il y a les assemblées consultatives, une au moins par jour sur les huit jours de la semaine, Mamleke. Donc quand il faut prendre une décision, le roi procède d'abord par consulter ses assemblées avant de, de soumettre à l'appréciation du Conseil des notables. Bon, contrairement euh, à ce qu'on pratique maintenant, qui est le contraire de la réalité. Parce qu'actuellement, tout est confondu. On ne respecte plus les règles traditionnelles. C'est pourquoi ces décisions sont tantôt avec des connotations, connotations politiques. Ce qui ne reflète pas l'aspiration des populations. C'est plutôt l'aspiration de quelques individus qui aspirent à la politique, qui déforment ça dans, les, dans leurs intérêts personnels. Sinon, démocratiquement, de par la tradition, les décisions étaient prises en fonction de la position de la majorité de la population. Suite à une consultation qui se faisait à tout de rôle dans les associations, dans les sociétés dans les assemblées consultatives. Or, actuellement, on se comporte comme si le chef s'est décidé tout seul. Voilà, et que tout le monde a marché. C'est pourquoi on est en train, la chefferie traditionnelle, est en train de se heurter à trop de difficultés à l'heure où nous parlons. Vous parlez des difficultés à l'heure où nous parlons et vous nous faites une transition sur ma question suivante, et c'est de savoir comment est-ce que euh, vous réussissez à asseoir euh, votre autorité sur vos sujets voilà, à euh, soi mon autorité actuellement sur mes, sujets, sur mes sujets dépend de ma manière de concevoir les choses. Voilà. Personnellement, j'adapte à j'essaie de contextualiser euh, 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 les problèmes qui se posent par rapport à la réalité sur le terrain. Pourquoi Parce que la démocratie n'est pas un apprentissage quant à la tradition Bamédeke ou tradition africaine, ce n'est pas un apprentissage. Ce sont des hommes qui posent problème, ce n'est pas les institutions en lui-même qui posent problème maintenant. Lorsque je suis dictateur, qu'on ne confond pas ma personne qui est dictateur et une institution traditionnelle qui n'est pas dictatoriale. Parce que je peux chercher à m'imposer, alors que de par nos institutions traditionnelles, le chef n'impose pas. Ils consultent avant de prendre des décisions. Lorsque vous me posez, par exemple, à soi mon autorité, mon autorité dépend de mes administrés, de la manière dont je traite les relations qui me lient à eux. Parce que les institutions traditionnelles ne sont pas une loi écrite, dont on a, contrairement à l'administration, où on applique les lois écrites. Les institutions traditionnelles dépendent de la... Manière dont les chefs entretiennent le rapport qui le lie à son peuple. Donc, le peuple le soumet par volonté et non par contrainte. Alors, euh, quand je vous écoute, euh, je me pose la question de quelle est la différence entre euh, diriger euh, ben, un royaume, le vôtre, diriger un gouvernement, un État, ou euh, peut-être diriger euh, une principauté Est-ce qu'il y a réellement. Une différence d'approche où c'est exactement le même modèle J'ai eu à d'autres occasions à répondre, à donner comme réponse dans ce genre de questions que, d'abord, qu'est-ce que nous entendons la démocratie La démocratie, c'est quoi On peut considérer ça aussi comme la raison du plus fort, parce que quand on appelle ça la loi de la majorité, c'est donc dire aussi qu'une dictature acceptée par le peuple devienne démocratie. C'est exactement ça. Lorsque les actes que je pose de concertation avec le peuple, avec la majorité, ces actes, à partir du moment où elle, elle est acceptée par le peuple, elle est démocratique parce que le peuple l'approuve. Voilà. voilà la manière dont j'assois mon autorité et comment est gérée les institutions traditionnelles. Et donc, quelque part, c'est comme si on imposait. Non, on n'impose pas. Parce que je viens de vous expliquer que le chef n'impose pas. Quand il a appris à prendre une décision, il procède d'abord par la consultation dans les assemblées consultatives. Et c'est lorsque la majorité se dégage que le chef prend la décision en se basant sur la majorité. C'est pour ces raisons que ça rencontre tout le temps. Euh, l'adhésion de toute la majorité du peuple. Parce qu'on a auparavant consulté. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Voilà. Ce n'est pas le cas, pourquoi Parce que la politique a voulu utiliser le chef pour s'imposer au peuple. Et dès que le chef s'adhère, il perd son autorité face au peuple. Il n'a pas le temps de consulter le peuple. Voilà, là où on n'arrive pas. Les deux ne peuvent pas s'accorder. Alors, Votre Majesté, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment euh, se passe le processus de désignation euh, de roi, par exemple, dans votre royaume Voilà, pas seulement dans mon royaume. Euh, J'ai eu souvent à critiquer euh, certains intellectuels, même au niveau de l'Afrique, parce que quand on parle de rois femmes, ou bien des successions par des femmes, en Afrique, l'Afrique avait, dans sa tradition, respecté les femmes si bien qu'une femme ne pouvait pas faire la guerre. Lorsqu'il y avait la guerre dans une zone et qu'une femme traverse seulement la zone avec l'arbre de paix en main, tous les deux camps s'arrêtaient. Or, on ne peut pas être chef sans être un guerrier. Comment une femme pouvait être chef alors qu'elle ne peut pas être guerrier Donc, quand vous me posez, voilà là où il y a. Un certain malentendu. Maintenant, lorsque vous parlez de la désignation d'un roi en Afrique, on ne se lève pas un matin ou par concours pour être roi. J'ai eu à dire que on est né roi. On ne désigne pas le roi. Quand il est né le roi dans un royaume, il y a des signes qui démontrent que le roi est né dans le royaume. On ne l'improvise pas. Mais actuellement, on, 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 on improvise. Dans ma décision, par exemple, euh, l'administration coloniale a homologué euh, euh, mon intronisation. Il ne m'a pas désigné. Non, il a homologué. C'est bien précisé qu'il a homologué mon intronisation qui se passait suivant les us et coutumes de Bamenjou. Mais c'est le contraire maintenant. On parle de la désignation, alors qu'on ne désigne pas. En pays la procédure, d'abord, c'est le testament du défunt. Voilà, qui est la base C'est le testament du défunt. En cas d'accident, par exemple, quand je parle d'un cas d'accident, c'est quand le chef peut mourir sans rien dire. Mais je le dis. Tout simplement, pourquoi Parce que dans la vraie tradition Bamléke, lorsqu'on est chef, le vrai chef prépare sa mort avant de mourir. La mort ne le surprend pas. C'est donc dire qu'il prépare bien longtemps sa mort avant de mourir. Il prépare son successeur. Voilà, ça, ça ne peut même pas arriver, parce que c'est difficile que le, le, un, chef, un vrai chef meure en cas d'accident. Il doit mourir à l'intérieur de son palais. Donc la désignation telle que vous posez la question, ça à base de son testament, du testament du défunt. On ne l'invente pas. Ce n'est pas une élection. Mais puisqu'on a le privilège de vous avoir sur le plateau, est-ce que vous vous souvenez un peu de comment ça s'est passé, votre intronisation Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, quelques petites anecdotes qui, qui vous ont amené à occuper la fonction suprême que vous avez aujourd'hui euh... Mon, mon intronisation, s'il faut parler de mon intronisation, c'est tout, tout un bible. On peut même passer des années à écrire. Et cela retrace effectivement ce que je viens de vous dire. Parce que euh, moi qui vous parle, je suis, j'ai été entretenu, par, je peux dire presque par tous les tribus du Cameroun. C'est pourquoi je ne parle pas seulement la langue Baméjou, je parle plusieurs langues du Cameroun. Tout ceci ressort des familles qui m'ont élevé au Cameroun. Et quand je vous dis que ceci, à l'âge de 8 ans, alors personne ne peut comprendre comment, à l'âge de 8 ans, je suis parti de Baminjou, à 400 km de Yaoundé pour être là-bas, soit au nord, soit ainsi de suite. Donc, ce sont des actes qui ont démontré quand même ce que je valais, bien qu'à l'âge de, de 8 ans, ce que je valais. Donc, or, mon, mon père... Qui a laissé son testament à l'administration coloniale ne m'avait pas vu depuis au moins huit ans avant de mourir. Or, il m'a désigné comme son successeur, tout simplement pour que l'administration coloniale puisse récupérer mes os là où j'étais mort avant qu'on ne l'enterre. Malheureusement, quelques jours après sa mort, on a annoncé qu'on m'a vu quelque part, à Yaoundé. Voilà. Et on m'a ramené, l'administration coloniale m'a ramené au village pour succéder à mon père. Voilà comment ça se passé. Et vous vous rappelez des rois qui vous ont intronisé euh, ou des autorités qui vous ont intronisé Ah non, ils ont plutôt euh, 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 participé, observé. Ils ne l'ont pas. Ce sont plutôt euh, les notables, les concernés, les initiés qui m'ont intronisé et non l'administration. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, parce qu'au moment où je préparais cette émission, j'ai fait appel à divers conseils, hein, parmi ceux qui sont d'ailleurs ici présents, et on m'a parlé du LACAM. Pardon, dis-moi si je prononce mal, mais qu'est-ce que c'est le LACAM Le LACAM, c'est comme nous pouvons dire en région catholique, la novicia. C'est un cercle, c'est un milieu dans lequel le chef doit être formé, parce qu'on ne parle pas d'une école pour être chef ou ce n'est pas suite à un concours, mais dès qu'on vous intronise, vous devez passer neuf semaines dans le LACAM pour subir par les initiés la formation, par les initiés durant neuf, neuf semaines, et accepter certaines conditions traditionnelles. Voilà. Prenons, est-ce que, parce qu'en pays Bamdeké, vous ne pouvez être accepté, être chef que si vous disposez d'une certaine force naturelle. Il faut donc que les initiés puissent se constater si effectivement il n'y a pas d'erreur dans, dans ces conditions. Est-ce que vous méritez ce pouvoir qu'on vous donne Est-ce que vous remplissez physiquement, moralement les conditions Et cependant pendant les neuf semaines qu'il faut examiner pour constater tout cela. Alors si on ne dévoile pas des secrets, pour nous autres, toujours novices et qui découvrons cela, est-ce qu'il y a possibilité de nous donner une... Euh, ou deux situations euh, bien concrètes pour qu'on puisse savoir comment est-ce que on a pu vous tester pour savoir si c'était bel et bien le bon casting si vous me permettez l'expression les, les principaux tests consistent d'abord est-ce que parce que la richesse en pays la c'est la richesse en pays c'est l'être humaine est-ce que vous avez la capacité de fécondité La première chose, est-ce que vous avez la capacité faire de hongitude Il faut effectuer ce test. Est-ce que sur le plan traditionnel, on peut dire sur le plan mystique, est-ce que vous avez cette capacité Voilà, en Pays-Bas, est-ce que vous avez cette puissance-là qui vient de Dieu Il faut constater, dans le cas où vous ne disposez pas de ces, de, de ces éléments, vous pouvez être chef. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas régner comme un chef. Et il y, a, il y a de fortes chances que vous ne pouvez même pas régner. Vous parlez de fécondité. Quand vous entrez au lacam, euh, il paraît qu'on vous attribue directement une épouse. Non, pas une épouse. Quand j'entre au lacam, on doit obligatoirement me donner neuf épouses. Neuf, neuf, neuf épouses. Voilà. parce qu'il faut que avant la sortie de là, quand durant les neuf semaines que plusieurs soient déjà fécondes, que plusieurs soient déjà et déjà la grossesse ou même déjà donné voilà. ah donc vous devez enceinter euh, Effectivement, les 9... durant, mais ça fait partie des terres waouh et qui et, et comment ça se passe je, je, je réfléchis à euh, un Africain vivant ici en Occident, comment ça se passe. Il y a une qu'on choisit pour être la première épouse qui va décider pour les autres, ou elles ont toutes le euh, même grade. Non, les fonctions sont reparties, si bien que personne n'en vit à l'autre. Ça, c'est traditionnel. Tout est, il y a des postes de responsabilité bien hiérarchisés, si bien que personne n'en vit. Ce sont les neuf premières qu'on qu est dans la, dans la novicia ensemble, que nous recevons les formations. Parce que même elles, dans l'exercice de mes fonctions, elles participent. Elles ont un rôle important à jouer et les fonctions sont bien reparties. La première femme, la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Et qui est votre première épouse Hein Qui est votre première épouse C'est une princesse de Baham. Ah, ça ne m'aide pas beaucoup, moi. Oui, mais parce que là, quand j'ai succédé <laughs> à mon père, euh, oui. euh, très jeune que j'étais, le, le feu chef moi m'avait donné d'office trois de ses filles. Ah oui Ah <laughs> <D 'accord. rire> Ben, vu euh, l'immense richesse, donc la culture euh, babinique, quelles sont les dispositions que vous avez mis en place pour ben, transmettre ben, toutes ces valeurs à, aux jeunes aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a une euh, lutte entre l'aspect traditionnel et l'aspect moderne? Euh, je pense que euh, les dispositions que j'ai mis en place euh, doivent aussi vous concerner en tant que journaliste et en tant qu'un jeune, parce que ceci ne doit pas seulement concerner les Bamingoux ou bien les Camerounais, mais ça concerne toute l'Afrique parce que nous sommes en train de, de nous laisser peut-être tromper tout en croyant que les autres ont fait mieux que nous. Quand nous sommes ici à Paris, par exemple, pourquoi jusqu'à aujourd'hui euh, le palais de Louis XIV, le palais de Louvre, pourquoi l'on a conservé toute cette histoire-là jusqu'à nos jours C'est parce que ça honore. Pourquoi nous parlons de la principauté de Monaco ici à, en France Justement parce que c'est une des parties qui a su préserver sa culture. Mais aujourd'hui, on, on vous permet, on vous dit qu'il faut abandonner la vôtre. Voilà. Donc je m'adresse plutôt à vous-même en tant que journaliste, à tous les jeunes Africains. Pourquoi Parce que quand je prends l'exemple du respect de nos morts, de nos crânes, où les autres viendront vous dire que euh, c'est parce que... Tu, as fait le, tu ne dois pas faire le sacrifice sur la tête de, de ton père qui est mort, tout ça. Bon, C'est pour cette raison que, dans d'autres cérémonies, j'ai eu à poser la question de savoir qu'est-ce que nous appelons les reliques, qu'est-ce que nous appelons les catacombes. Voilà. Qu'est-ce que nous appelons les reliques La différence entre la tête de mon père que j'ai récupérée et. La tête et le corps, les os que vous aviez récupérés qui constituent les reliques. Où est la différence Donc, la différence, c'est tout simplement parce que j'ai récupéré rien que la tête de mon père et laissé les autres. Sinon, où est la différence La case traditionnelle que j'ai conservée, les crânes de mes parents. Voilà. La différence entre ça et une catacombe, c'est quoi alors, euh, je voudrais quand même qu'on puisse revenir sur ce que vous dites, parce que ça a quand même d'importance et je ne suis pas forcément certain que euh, les spectateurs, euh, ont, les téléspectateurs ont compris. Vous êtes en train de dire que lorsqu'il y a un défunt chez vous, euh, on décapite et on conserve euh, la tête euh, du défunt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce, ce rituel qui peut être surprenant pour euh, ceux qui ne connaissent pas vos coutumes le rituel, c'est après un certain délai. Peut-être que ce n'est pas oh. le bon terme, je vous prie de m'excuser. Voilà. Mais ceci dit, c'est pour pouvoir schématiser et expliquer clairement. Voilà, la récupération du, re du reste du défunt, c'est après un délai qu'on se décide à récupérer avec toutes les cérémonies que ça comporte. Ce n'est pas que juste à sa mort, on décapite, non. C'est après un certain délai, bien respecté en tradition bon même vous, vous verrez, ce n'est pas seulement chez nous, dans beaucoup d'autres pays africains. Non, je m'intéresse à vous. Voilà. Donc je Alors, parle de chez donc, vous. C'est ça, ça après un délai qu'on récupère pour garder dans des cases sacrées, avec tout ce que ça comporte comme rite. Voilà. Euh, je suis quand même toujours bloqué sur l'histoire des épouses, neuf épouses dès votre intronisation. Est-ce que vous avez un nombre maximum d'épouses que vous devez avoir sur votre vie ou euh, c'est à non. votre liberté? Non, jusqu'à présent, je continue à me marier. Et. Ben parce que, déjà, nous autres, pour gérer une seule épouse, mais je ne sais pas comment vous faites, je vous envie. Parce que gérer autant d'épouses, euh... chapeau. Mais peut-être, je pense que ça part de, de votre propre défaillance. Oui, oui, ne pas, pas, pas être capable de gérer bon, votre épouse. Bon. Comment vous faites Parce que quand vous aviez parlé de plusieurs bureaux, mais quand vous avez dix bureaux, vous gérez les 10 bureaux. Mais moi, je préfère les gérer, avoir toutes mes femmes chez moi. Je ne, je ne préfère pas avoir des bureaux ailleurs. Le respect voudrait que je laisse le dernier mot toujours au roi. On va faire une petite pause. Euh, J'explique toujours tout aux téléspectateurs. Ici, on est en famille. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, Sa Majesté est venue avec euh, une cour assez pléthorique, donc on va changer. Certaines personnes vont devoir quitter le plateau, d'autres vont venir rejoindre. Et on va continuer cet entretien, si vous le voulez bien, toujours à la découverte de votre personne ainsi que de votre okay, royaume. Okay. Oh, ouais, Alors je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que nous avons une émission spéciale avec un poids lourd, et c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, puisque nous accueillons dans nos studios parisiens un roi, un vrai de vrai, qui est venu avec une cour pléthorique. Si vous étiez là au début d'émission, vous avez vu certains visages qui ne sont plus avec nous, d'autres nous ont rejoints. On va tourner ainsi, on va encore tourner. Eu tout à l'heure, pour laisser passer également d'autres personnes, on va toujours à la découverte de son royaume, les coutumes, les rites. On a longuement parlé de son intronisation, on a parlé des valeurs, et justement, Votre Majesté, quand on parlait tout à l'heure des traditions, on le voit, vos traditions sont extrêmement riches. Vous avez fait allusion aussi bien à Monaco que ben, le Louvre ou bien le palais de Versailles. Comment est-ce que vous vous faites pour conserver vos traditions et surtout le transmettre aux générations à venir s'il n'y a pas d'écrit euh, Actuellement, face à l'évolution, euh, je suis en train personnellement euh, de former les jeunes. Euh, je bénéficie même euh, des soutiens de l'extérieur pour l'insertion des jeunes dans la culture. C'est pour cette raison qu'au niveau... De mon arrangement, par exemple, euh, les jeunes lycéens, il y a tout un programme où ils rendent visite au musée euh, par mois. Ceci les amène à s'impliquer euh, dans la gestion du musée. Ceci les implique à participer parce qu'au niveau du musée, nous avons l'artisanat qui permet aux jeunes de venir apprendre. Euh, 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 la fabrication des objets à s'imprégner de la culture. Voilà comment j'ai pu penser dans mon groupement à intégrer les jeunes dans la gestion euh, de notre musée et pour impliquer les jeunes, les insérer dans notre culture. Alors si vous me permettez, je vais revenir à nouveau sur euh, la première partie. Vous parliez tout à l'heure de formation lorsqu'un chef euh, ben, euh, prépare sa succession, euh, comment vous effectuez cette succession au milieu de tous vos enfants J'imagine qu'avec vos nombreuses épouses, vous avez aussi également de, beaucoup d'enfants. Au sein, comment vous décelez celui qui, éventuellement, pourrait prendre votre succession et comment est-ce que vous lui prodiguez les enseignements nécessaires pour poursuivre votre mission Comme je viens de vous le dire, il n'y a pas question d'une certaine particularité, mais... Celui qui, parmi mes enfants, et le futur roi, est né avec ce don. Si bien que la formation et la culture est donnée à l'ensemble de mes enfants. Il n'y a pas une, 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 une distinction entre les deux. Mais ce qui est sûr, celui-là assimile, il a la faculté d'assimiler cette formation plus mieux que les autres. Mais est-ce que. Euh en fait, là où j'essaye de savoir, c'est euh, euh, même s'il si naît avec des dons, j'imagine c'est forcément vos enfants, donc ils ont déjà vos, vos, vos capacités. Comment est-ce que vous faites pour déceler parmi ces enfants celui qui euh, sort du lot, puisqu'ils sont déjà eux-mêmes au sommet de, 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 de l'échelle Il y a plusieurs indices, à partir de sa naissance, qui lui permettent de sortir de l'eau et qui se fait même distinguer pour les curieux de manière qu'on n'a pas besoin à chercher. Parce qu'il a sa ça, ça part de sa naissance. Donc, quand on lui donne une formation, je donne à l'ensemble de mes enfants, ils sont dans les universités du Cameroun, mais il n'y a pas un qui est personnellement indiqué pour ne aller à l'université que seul. Mais on verrait parmi 20, qui y a parmi les 20, il y a un des rares de rare qui se démarque du lot. Voilà. Mais ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait à l'école, qui soit le premier. Alors, là, on a parlé des enfants, on a aussi parlé euh, de plusieurs États, plusieurs royaumes. Est-ce qu'entre vous, différents rois, vous vous rencontrez pour vous concerter, pour euh, la perduration, si je puis dire ainsi, de la culture Bamileke, ou tout simplement pour vous conseiller mutuellement ou mettre en concertation ou en action commune ben, euh, vos actes ou vos réflexions euh, même si cela n'est pas permanent, c'était d'abord une obligation. Voilà, c'était une obligation parce que dans des chefferies Bamleke, il y a ce qu'on appelait des alliances traditionnelles. C'était par groupe de deux, par groupe de trois, par groupe de cinq, par groupe de dix. Bon, je vous prends l'exemple, quand mon père est mort, le feu chef Kamoa de Baham faisait partie du groupe où se retrouvait avec l'Alliance et mon père. C'est pour ces raisons que mon père, en mourant, lui avait laissé son testament et lui, à son tour, en mourant, m'avait laissé son testament. Ceci devait être une obligation dans tous les chefferies pour l'entretien de cette alliance qui liait les chefferies les uns aux autres. Alors, sinon, en tant que doyen, votre majesté, est-ce que vous pensez qu'il y ait euh, un moyen qu'on puisse mettre en place pour euh, la transmission ben, de vos valeurs et de vos savoirs Mais il le faut, il le faut absolument. Il, il faut plutôt entretenir, il n'est même pas question de le mettre en place, mais il faut plutôt entretenir cette alliance qui existait, existait entre les chefferies. Parce que c'est cette alliance qui permettait aux chefferies de se retrouver ensemble et de se concerter ensemble dans les problèmes liés aux chefferies traditionnelles. Donc, il est, il est urgent qu reprenne, que les chefs reprennent l'entretien de ces relations-là. Voilà. Ce n'est pas seulement à l'échelle ouest. C'est à l'échelle même nationale, parce que je me rappelle bien que notre dernière assemblée nationale des chefs francophones a eu lieu chez Abbé Martin en 1956 à Yaoundé. Une époque où vous étiez déjà aux fonctions. Ah, oui, oui. Je le rappelle. Et lors de votre jeunesse aussi, j'ai vu en cherchant et en se renseignant un peu sur vous que vous étiez un très, très grand sportif, notamment un amateur de football. De football. J'ai fait. Le football, la Jusqu'à présent, j'ai été le plus meilleur lancé de poids senior au Cameroun pour avoir atteint le niveau des Jeux olympiques. Alors j'ai vu, lorsqu'on a fait le turnover de ce plateau, que certains visages sont restés. Est-ce que vous pouvez nous euh, déjà présenter ceux qui sont là et nous dire pourquoi certains sont partis et d'autres vont visiblement rester euh, toujours à vos côtés, l'importance de leur présence Voilà, euh, voilà, si vous voulez cette particularité-là. Celui qui est à euh, ma gauche est l'un de mes grands notables, chef de communauté Bamenjou de Yaoundé, résident à Yaoundé. Or, celui qui est à la droite, et je peux dire qu'il est parisien, mais il est successeur d'un de mes grands serviteurs qui a atteint le, le plafond de rang de notabilité au niveau du palais. Voilà pour cette raison qu'ils sont là-bas. Alors que les autres sont mes administrés résidant ici à Paris. Voilà. Et pendant mon séjour ici, ce sont eux qui assurent mon encadrement. Et mon séjour ici à Paris. Et donc pendant votre séjour ici, comment se passe l'administration au sein de votre royaume L'administration, pour le moment, est conduite par un. Il est là absent. Il est il est dehors. Celui qui est le président euh, du Conseil, voilà. Oui. Ah bon, le voilà. Il est oui, assis. Oui. Voilà, il, il est assis. Il là. est hors il champ. Il est là. hors voilà. champ. Voilà. Nous vous le alors, présenterons alors, tout voilà. à l'heure. Voilà. C'est mmh. lui qui est actuellement le président qui coordonne toutes les actions. Ça veut dire que c'est lui qui est chargé d'assurer, de coordonner toutes les actions de mes administrés ici à Paris, en France. – Alors, on a vu, euh, avant de continuer euh, toujours cette émission, un petit aparté, parce que pour euh, nous autres qui ne connaissions pas euh, complètement découtumé et rites. On a vu qu'il y avait beaucoup de codes. J'ai pu euh, regarder les images lors de votre arrivée euh, à l'aéroport euh, jusqu'à l'installation où vous vous reposez en attendant vos obligations euh, ben, euh, royales, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il y avait un certain nombre de codes, comme le fait de ne pas vous tourner le dos, comme le fait euh, d'un geste qui consistait euh, à vous honorer, tout simplement, à montrer. Euh, ben, la grandeur de votre personne auprès de, 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 de votre comité, de vos sujets. Il y avait aussi un certain nombre de règles, comme par exemple ne pas vous toucher. Est-ce que pour nous autres qui découvrons ces codes, vous pouvez nous donner quelques significations C'est comme euh, chaque une personnalité respectée dans son milieu doit, quand il se déplace, il faut un certain maximum minimum de sécurité à son endroit. Il faut un certain respect. Et ceci se passe sur le plan traditionnel. Sur le plan traditionnel, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, certains comportements qu'il ne faut pas devant son chef. Voilà, c'est ça de, 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 de tout ce code-là. Alors, vous êtes aussi venu euh, en France... Euh... Euh, pour euh, rencontrer euh, vos, euh, vos sujets. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance pour vous d'aller voir la diaspora, euh, cela même qui, euh, à travers le monde, font rayonner euh, tout simplement le nom de votre euh, royaume Effectivement, je suis venu ici sur euh, invitation de mes administrés résidents à Paris, euh, en Suisse. Euh, en Belgique, pourquoi Parce que pendant ce dernier temps, nous avons ensemble un grand souci, c'est-à-dire celui du développement de Baminjou. Or, je ne peux pas les faire déplacer 50 personnes à la fois pour venir dialoguer avec moi au village. Nous avions jugé plus économique que je me déplace pour venir les rencontrer ici à Paris, en Belgique, en Suisse, pour discuter avec eux sur le problème du développement de Baminjou. Voilà les raisons de mon séjour ici. Et nous sommes, je suis là pour ça, pour dialoguer avec vous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer Baméjou sur tous les plans économiques, sociaux, culturels Et ceci, c'était à l'occasion de leur première fête culturelle ici à Paris. Peut-être que vous nous donnerez euh, en exclusivité quelques pistes de réflexion que vous avez pu dégager. Mais on a remarqué que parmi ceux qui vous ont accueillis, il y avait des notables, comme vous venez d'ailleurs de, 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 de présenter certains qui vous accompagnent sur ce plateau. Comment est-ce qu'on devient notable euh, C'est une mérite. Bon, il est certain qu'avec euh, la modernité, tout ça change maintenant. Mais on devient notable c'est une mérite suite à des actions posées, à des actions euh, de développement social du groupement, que par appréciation. C'est une décoration, comme dans tous les pays du monde. On, devient, on peut être chevalier du mérite, ordre de valeur nationale, tout ceci. C'est échelon par échelon. Voilà comment on le devient. On n'est pas notable au même rang. C'est échelonné. Et par mérite, et par service rendu. C'est une décoration comme toutes les autres décorations. Alors, Votre Majesté, je vais vous poser encore deux, trois questions. Avant de laisser place à une troisième partie où nous changerons également les personnes sur ce plateau et dans cette. Troisième partie, je laisserai la parole à certaines personnes de l'assistance qui euh, vous poseront aussi des questions si vous voulez bien répondre. Moi, ouais, je vous dis à titre personnel, je suis toujours, mais vraiment interloqué par cette histoire de neuf épouses dès votre euh, intronisation. Euh, j'ai beau lire, j'ai appris que bon, ben, dans votre royaume, les hommes avaient le droit d'être ben, polygames c'était pour combattre. Je crois, le célibat. Est-ce que euh, ces mesures sont toujours euh, euh, en cours aujourd'hui Je ne souhaite pas qu'on l'interprète ainsi, parce que combattre le célibat, je ne pense pas que c'était. Je vous ai dit ici qu'en pays Bamleke, la première richesse, c'est l'être humain. Voilà. Quand un Bamleke avait 10 femmes, 20 enfants, 50 enfants, on disait qu'il est riche. Ce n'était pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. C'était parce qu'il avait beaucoup d'êtres humains. C'est pour cette, cette raison que le chef lui-même, en tant que chef, doit être le premier exemple. Voilà. En être humain, beaucoup d'enfants, tout ça, voilà. Vous pouvez imaginer que j'ai combien d'enfants aujourd'hui Je ne sais pas. J'allais vous poser la Alors, question. En, en, en... Je ne sais même pas combien de femmes vous avez aujourd'hui. J'ai 36 femmes. Officielles. Officielles, qui vivent avec moi. Et de plusieurs nationalités. Vous avez des Françaises aussi Sauf les Françaises. Ah, des mais dernièrement, on m'a vu avec, avec une Américaine. Qui va venir s'installer euh... oh, Mais si je voulais, elle se serait, serait déjà installée. On l'a vu à travers les images, presque dans tout le monde entier. Mais toutes ces femmes, elles sont dans la cour ou certaines elles sont, sont dans hors la cour quoi? Elles sont dans la cour. Votre Majesté, je ne peux pas terminer cette partie sans vous demander euh, la question pour les téléspectateurs qui vont voir, est-ce qu'il existe aussi un système de naturalisation Je ne sais pas s'il faut dire naturalisation, si on veut par exemple euh, avoir la nationalité ou devenir euh, un de vos sujets, quelle démarche suivre si on n'est pas né euh, dans, 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 dans votre royaume C'est comme dans tous les pays, ça dépend de votre dévouement envers le groupement de Baminjou. Ce, ce n'est pas seulement moi, seul. il y en a même déjà qui sont déjà, je peux dire, naturalisés. Euh, il y a, vous avez déjà des Américaines que j'ai fait des grands notables à Baminjou. Suite à l'heure euh, euh, à des actes qu'ils ont posés, vous avez des Français que j'ai fait de notables. J'ai même ici à Paris. Un de mes notables, que quand j'arrive ici à Paris, c'est chez lui que je me loge. Voilà. Il est presque Bamenjou. Je parle seulement des de, 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 de euh, des Européennes, mais au Cameroun même, j'ai beaucoup des autres tribus du Cameroun qui sont déjà naturalisées comme Baminjou. Alors avant de passer sur le troisième tableau, on peut avoir une idée alors sur le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants Oui, de vos enfants. J'ai 320 enfants avec les petites fils 320 Oui. Waouh. Ça calme. Vous avez servi là Ok. Je. je... Il, est... Il est difficile de rebondir. Ça fait en effet beaucoup de richesses humaines. Il est difficile de rebondir après ça. En fait, ce que je vous propose, c'est de marquer une dernière pause. Au cours de cette pause, on va encore changer des personnes sur le plateau. Je vais être honnête avec vous. Hein, ce n'est pas moi qui décide de qui est-ce qui vient sur le plateau c'est l'administrateur. L'administrateur sans doute qui reviendra aussi également, peut-être nous dira comment est-ce que c'est décidé. Et puis, ben, si vous le voulez bien, certaines personnes ici vous poseront des questions. Je suis prêt à les répondre. Très bien. Je vous remercie à tout de suite pour la troisième et dernière partie. Troisième et dernière partie de cette émission spéciale où nous accueillons un poids lourd, un poids lourd et un vrai de vrai, puisque c'est un roi, un roi Bamileke, cette euh, ethnie africaine à la culture extrêmement riche, bah, qui nous fait donc honneur ici de venir nous faire découvrir les traditions africaines qui étaient là bien avant l'arrivée euh, des colons. Il n'est pas que roi, c'est un des résistants de la lutte de l'indépendance de son pays, le Cameroun, une lutte qui a été extrêmement meurtrière. Certains parlent des génocides, d'autres avancent plutôt euh, d'autres chiffres, mais qu'importe, la thématique de cette émission n'est absolument pas d'aborder euh, ces sujets-là. Mais par contre, puisque nous avons le privilège de la voir, je voudrais bien, votre Majesté, si vous voulez euh, ben, nous faire part de cette période qui a quand même connu beaucoup, mais vraiment beaucoup de morts au sein même de votre royaume euh, Je pense que euh, l'occasion qui m'est offerte ce soir n'est pas tellement pour parler de ce sujet. Pourquoi Parce que je suis beaucoup plus concerné quand il faut parler de la résistance euh, de cette époque-là, mais j'aurais préféré ne m'arrêter que sur la culture africaine et bam ce soir. Pas parce que je ne peux pas, mais si vous m'aurez invité pour parler de la politique euh, camerounaise, africaine, vraiment j'aurais été très d'accord pour parler de ça parce que je suis inconcerné. Mais pour ce qui est de ça, de la lutte de résistance, je vous renvoie à lire le dernier, la dernière histoire du Cameroun qui vient nouvellement d'être écrite, intitulée « Cameroun » avec K-A-M-E-U-N. K voilà, relisez ça. Là-dedans, on vous parlera de M. Sokoujou. Nous l'avons euh, bien sûr euh, lu, puisque ici même à Vox Africa, on a fait euh, plusieurs émissions sur euh, l'indépendance, intitulée euh, « African Chronicle », et on a parlé justement de cette guerre cachée qui avait lieu… Euh, principalement à l'ouest du, du Cameroun, contre euh, les Bamilékés. Et si je me permettais de faire une parenthèse sur ce côté-là, c'était aussi pour montrer euh, votre côté résistant, votre côté militant, et vous êtes témoin de l'histoire, pas le côté politique. Je voulais plutôt mettre en avant cette histoire que vous avez vous-même vécue. – Oui, j'ai été un acteur, donc c'est pour cette raison que je ne voudrais, quand il faut, comme au Cameroun, j'ai eu à plusieurs fois à répondre, que ce soit devant euh, les autres télévisions camerounaises, au Cameroun, à répondre de ça. Mais j'aime souvent qu'on me pose la question spécifiquement, lorsqu'il s'agit de parler de la politique, on parle politique et on traite politique. Voilà. C'est ça que pour moi, j'aime être précis. – Bon, on va parler de culture, on restera sur la culture. Et d'ailleurs, je donnerai la parole tout à l'heure, si vous le voulez bien, à certains de vos sujets qui sont venus ici et qui ont beaucoup de choses à vous demander. Mais comment est-ce que, quelque part, lorsqu'on tape le nom Cameroun et qu'on associe le mot culture sur Internet, systématiquement, on tombe sur ben, la culture bamileke euh, vous avez une spécificité qui fait que ben, la vôtre euh, euh, soit beaucoup plus marquante que celle euh, des autres ethnies, puisqu'il y a plus d'une centaine d'ethnies euh, dans ce pays. Euh, je, ce n'est pas une façon pour moi de jeter des fleurs aux Bamléqués, mais je pense que quand même que les Bamléqués ont su préserver leur culture et ont su même développer leur culture, parce que je pense qu'ils ont échappé, ils ont échappé un peu à la domination de l'évangile parce que lorsque les missionnaires qui avaient pour mission, mission de détruire cette culture arrivant peut-être au Cameroun euh, n'étaient pas vite arrivés au Cameroun euh, à l'ouest et l'ouest a peut-être été a eu l'occasion de s'esquiver de ce massacre de notre culture c'est pour ces raisons qu'ils ont su à temps préserver et conserver cette culture -là. ce n'est pas parce que les autres n'en avaient pas toute... Euh, le Cameroun avait les cultures, mais ils ont eu cette malchance qu'ils ont vu abandonner leur culture. Voilà. Alors, euh, vous qui parliez des démocraties tout à l'heure, hein, je ne veux pas être dictateur au, au sein de cette, <laughs> cette émission et je veux aussi laisser la parole à d'autres personnes. C'est le cas, par exemple, avec M. Wafo euh, qui euh, tenait à vous poser euh, quelques questions. Je veux l'inviter à venir ici euh, sur le plateau, à se rapprocher et euh, lui laisser tout simplement la parole. Bon, euh, euh, Sa Majesté. Donc, euh, euh, je, si vous pouvez bien parler euh, au okay. groupe, pour nos téléspectateurs. D'accord. Donc, euh, vas -y, vas -y. donc vous je, je vous remercie d'abord, euh, pour euh, du moins cette occasion que vous nous offrez, donc, euh, pour euh, que nous puissions vous poser quelques questions. Donc, nous. du moins des questions pour lesquelles bon, nous passons assez, du moins souvent assez de temps, pour y essayer d'y de trouver des réponses, sans pouvoir les, les trouver. Bon, la question que je souhaite poser, dont ça concerne l'influence de la religion. Par rapport à nos cultures euh, bamilékées, on sait que bon, euh, les traditions bamilékées ont imposé une forte résistance aux différentes religions, et surtout chrétiennes, jusqu'à un passé récent. Donc, les bamilékées, bien que convertis pour la plupart à la religion chrétienne, ont continué à entretenir leurs traditions. Par contre, l'Église aujourd'hui a changé de stratégie et avec euh, l'appui de beaucoup de nos élites. Car aujourd'hui, elle nous fait euh, croire que euh, les pratiques religieuses et nos pratiques euh, traditionnelles se confondent. Et je pense que, en tout cas, à mon avis, c'est pour euh, mieux euh, euh, s'implanter euh, chez nous. Allons-y à votre question. Hein. Voilà. Alors, ma question est. En tout cas, bon, je prends quelques exemples. Il y a juste quelques deux exemples. Parce qu'aujourd'hui, on constate que euh, lors des cérémonies euh, d'obsèques ou euh, de funéraires, on constate que euh, beaucoup de nos rois euh, y participent et vont suivre, bon, euh, du moins, que les prêtres ou les pasteurs prêchés ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et on constate, euh, qu'est-ce qu'on constate également, que euh, certains pasteurs ou prêtres euh, intronisent des successeurs chez nous, aujourd'hui, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces rois qui se comportent euh, de la sorte sont en train de participer activement euh, à la destru destruction de nos traditions Ça, c'est la première question. Je peux peut-être enchaîner avec les deux autres questions. Ah, il y en a encore deux autres. Bon, oui, allons-y, comme, comme ça, ça, on aura tout et puis on va, on va. Et n'avez-vous pas. Notez, première question. Oui, Bon, oui, oui, on oui. peut Allez-y, bon, oui. je, je allez-y. Allez et n'avez-vous oui, pas l'expression que nos rois qui se comportent ainsi sont en train de vider de manière inconsciente le contenu de leur pouvoir Et si rien si n'est fait pour arrêter ce genre de comportement, il y a risque qu'à court terme, aucune considération ne soit même plus accordée à nos rois. Alors ce qu'on va peut-être faire, c'est de laisser euh, Sa Majesté répondre déjà à ces deux premières questions. Euh, et puis ben, on verra pour euh, la troisième et dernière. Voilà, je vous ai dit ici que tout à l'heure que évitons de confondre les, faibles, les, les faiblesses des êtres humains à des institutions. Voilà. Évitons de confondre les faiblesses des êtres humains à des institutions. S'agissant de la religion, par exemple, je suis le seul chef à l'Ouest qui collabore avec tous les imams, avec tous les pasteurs, avec tous les prêtres. Et je suis le seul qui reste fanatique dans sa culture, dans le respect de sa culture. Quand je célèbre, par exemple, la fête culturelle à Baminjou. J'invite les prêtres et les imams, tout ça, les pasteurs, à faire une messe écuménique. Alors que j'ai d'abord commencé par moi-même à, à circuler dans tous les lieux sacrés du village avec la chèvre et l'huile que j'ai tuée pour mettre sur les lieux sacrés pour demander à Dieu de participer à la cérémonie. Or, par faiblesse, si les autres ne le font pas, c'est par faiblesse. Peut-être jusqu'à présent, je suis le seul chef qui au Cameroun a participé à la célébration de la messe œcuménique au Vatican avec Paul VI. Voilà. Et été reçu à Gandelfort. Mais oui donc... Paul II a parlé de l'inculturation. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que c'est le respect de la culture de chacun. Donc moi, quand je suis avec un prêtre, mais je lui fais comprendre que le mot païen, animiste, quant à moi n'existe nulle part. Quand on dit animiste, mais ça veut dire que quoi Que vous n'êtes pas chrétien. Mais par rapport à quoi c'est comme quand un Français dit que je suis illettré. Mais et lui, par rapport à moi, il est quoi il, Je suis illettré parce que je ne parle pas sa langue. Mais est-ce que lui aussi parle ma langue C'est que face à moi, il est illettré. C'est la même chose quand vous me parlez d'animiste. Euh, 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 Mais par rapport à quoi J'ai été baptisé dans ma religion. Et c'est dans ce sens que Paul II a parlé de l'inculturation, c'est-à-dire le respect de la culture de chacun. Le respect de notre croyance avant qu'il n'arrive, mais nous on croyait depuis longtemps à Dieu. Voilà de notre manière à nous. Mais ce n'est pas parce qu'il a apporté sa manière qu'il doit dire que je ne crois pas en Dieu. Voilà ce que je qualifie de la faiblesse humaine. Il y a cette faiblesse qui moi dans ma religion je suis en train d'abandonner ma religion pour Imité, j'appelle même ça imiter parce que quand je prends le livre Saint, je vois quelqu'un qui avait prié Dieu parce qu'il ne voit pas bien. Il prie Dieu de lui ouvrir les yeux. Aujourd'hui, j'ai mes pieds qui sont coupés. Je prends la même prière, je récite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je prends la même prière, je récite. Mais ça veut dire que quoi? Je ne demande rien à Dieu. Voilà. Donc voilà ce que je vous peux vous donner comme réponse sur ce. Premier point, c'est une question de faiblesse humaine. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il est influencé par quelqu'un. Le prêtre ne l'influence pas. Sinon, lui aussi, il pouvait influencer le prêtre. Voilà. La deuxième question. Alors, la deuxième question, est-ce qu'en procédant de procédant de cette manière, c'est-à-dire euh, nos chefs qui vont euh, assister aux cérémonies religieuses lors des obsèques par exemple, au funéraire, hein, en suivant euh, le prêtre prêché ou les pasteurs prêché. Que... Je vous réponds là-bas que dans la tradition Bamleke, comme je viens de vous dire, on doit reconnaître la liberté de chacun. Mais ce que, que celui qui est libre sache qu'il est libre et responsable de ses actes. Alors, ces chefs qui possèdent ainsi, en, viola, en violation, de la tradition baméké qui interdit au chef de voir le corps. Parce qu'il est interdit en tradition baméké de dire au chef que quelqu'un est mort. On ne dit pas au chef que quelqu'un est mort, mais on dit plutôt que on a perdu quelqu'un. Donc on continue à le chercher. C'est pour cette raison que le mot réincarnation a sa place chez nous. Voilà. On ne dit pas au chef que quelqu'un est mort, mais on dit que quelqu'un est... Habitué. On le cherche jusqu'au jour où on, on, on fait son deuil et on arrête son successeur. On dit qu'il est rentré, on a trouvé celui qui était mort. <laughs> voilà, il se réincarnait à travers celui-là. Voilà, donc comme lui il viole ça, il endosse seul les conséquences. Justement, comment vous réussissez, Votre Majesté, à concilier un peu cette euh, tradition, c'est-à-dire la croyance en Dieu ancestral que vous avez, avec euh, ce côté euh, moderne, parce que quelque part, au jour d'aujourd'hui, la religion, ou du moins Dieu comme il nous est présenté, c'est ce que les colons et les missionnaires ont apporté. Comment vous arrivez à, à trouver le juste milieu entre l'avant missionnaire et l'après missionnaire dans même, cette croyance Même le missionnaire, j'ai dit, c'est pas bon. Je ne pas à l'école, mais je me rappelle toujours qu'on dit que quand euh, le, le roi Berge envoie ses hommes en Afrique, qu'est-ce qu'il avait dit voilà. Mais que nous, on connaît déjà Dieu depuis longtemps. Ils n'ont plus raison de nous apprendre qu'on connaît Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas question même de poser la question de savoir comment on réussit à concilier. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Mais chacun, vous l'appelez, en Douala, on l'appelle Loba. Les Français appellent Dieu. Et nous, à Baméjo, nous appelons aussi. L'autre appelle Zamba. C'est la même personne. Voilà, c'est la même personne. Et il reconnaît que c'est à lui qu'on s'adresse. Mais pourquoi encore appeler, nous amener encore d'autres complications Peut-être c'est pour cette raison qu'il n'arrive plus à nous croire. Voilà. Parce que nous, na, nous, na, nous continuons à agir comme si nous n'interprétons que ce que les autres ont dit nous ne lui demandons objectivement pas ce que nous voulons qu'il nous donne on interprète on imite les autres c'est pourquoi peut-être il ne nous croit pas donc pour moi tous les pour moi avec les missionnaires non pas de problème nous on marche ensemble parce que c'est le même Dieu voilà parce qu'à ne pas confondre quand la chèvre dans notre tradition baméléki l'arbre sous laquelle nous avions mis la pierre n'est pas Dieu voilà n'est pas Dieu monsieur, c'est la chapelle et la pierre que nous avions mis en bas n'est pas Dieu, c'est un symbole de la puissance de Dieu. Voilà, c'est un symbole, ce n'est pas Dieu. Mais alors que les autres ont dit que nous on prend la pierre comme Dieu ou l'arbre comme Dieu. Et puis le sacrifice que nous faisons, que nous offrons à Dieu, nous l'appelons aussi, c'est destiné à Dieu. Et les cérémonies que nous faisons en mémoire des, des morts, des ancêtres, nous appelons trop. Ça veut dire que c'est destiné aux morts. C'est destiné à. Bien, c'est ça, à la destination, à ne pas mélanger. Bon, quand, quand on ne vient pas mélanger pour nous décourager dans, dans la croyance, nous croyons à la, au même Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Et les religions le constatent eux-mêmes. Et en parlant de non-mélange, comment est-ce que, concrètement, vous. Euh vous envisagez de faire perdurer auprès de vos descendants, vos sujets qui sont venus, euh, qui ont traversé l'océan, traversé de nombreuses contrées et qui sont de la diaspora. Comment est-ce que vous voulez maintenir cette pratique traditionnelle alors qu'ils sont imprégnés du monde moderne, entre guillemets Quand moi, j'ai visité Notre-Dame de Paris, hein? mais je suis venu plusieurs fois visiter accompagné des catholiques. Je suis allé plusieurs fois visiter Lourdes, visiter la basilique de Saint-Pierre, tout ça. Mais rentrant, ça ne m'empêche pas de continuer à croire en Dieu de par les justes et mes coutumes. Ça ne change rien. Voilà. Et un vrai prêtre ne m'a jamais dit que j'ai tort. Quand j'ai été reçu. Par le Saint Père, en 1915, j'étais reçu pas en tant que chrétien, mais comme le chef d'une autre religion. Et c'était ça l'inculturation. On va aller vers la fin de l'émission. Vous avez une dernière question, donc ce sera peut-être l'une des euh, dernières à poser à Sa Majesté. C'est la dernière question. Alors, euh, Sa Majesté, alors euh, je me demande pourquoi les Bamileke. Ne peuvent pas former euh, eux-mêmes dans une sorte de, soit de pasteur ou de prêtre euh, traditionnel pour pouvoir euh, célébrer de manière euh, purement traditionnelle les, certaines, les cérémonies religieuses, du moins euh, d'obsèques ou funéraires pour euh, ceux qui le souhaitent. Bon, je vais te répondre là-bas que le faux dans le monde au cours d'une cérémonie dernièrement avec les prêtres et les pasteurs, j'accusais tout le monde pour le faux parce que au lieu de croire en Dieu et laisser le Dieu, Dieu faire son travail, nous sommes en train de tout inventer. En pays Bamdéké, on n'a plus le droit parce que tout a été fait. Je vous dis, si vous venez à jour, par exemple, euh, le deuxième jour de la semaine, voilà, de la semaine, il y a un lieu sacré. Si vous venez là-bas le jour-là, vous verrez comment on fait le périnage pour croire en Dieu. Vous avez tous les Camerounais qui se retrouvent là-bas, qu'on ne connaît même pas, pas comment ils font pour y arriver. Ils viennent des milliers. C'est sur un lieu sacré. Et ils sont dirigés par ceux qui gèrent le lieu, par les Nkamsi. Bon, est-ce que vous voulez encore qu'on crée d'autres Nkamsi Donc, les Nkamsi In inventés, parce que vous avez les Nkamsi maintenant. Qui s'inventent, qui tel que nous avions vu, lu dans la Bible. On, on, on pour... ne s'invente pas. Vous pouvez peut-être nous dire ce que c'est les Kamsi pour euh, hein? les personnes qui ne comprennent les pas. Not... On peut traduire ça comme notable de Dieu. Le, le Kamsi, c'est à peu près le, les prêtres. Mais en tradition, on n'apprend pas à être prêtre de Dieu, à être un Kamsi. Ou bien, on, non, on ne se fabrique pas. Ça s'annonce tout seul. Comme on a lu dans la Bible. Voilà. Et c'est par les actes qu'on découvre que vous êtes un messager de Dieu. Par les actes concrets. Mais maintenant, les gens apprennent à mentir aux autres qui sont les Kamsi. C'est ça qui vous dérange un peu et que vous posez la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas fabriquer Non, ils existent. Mais c'est le faux maintenant, le mensonge. Parce qu'ils se transforment tantôt en marabouts, en tout, en sorciers, en tout. Et ça perd son sens. Sa Majesté, donc merci de m'écouter ce jour. Ça me fait vraiment un très grand plaisir, un très grand honneur, donc, vraiment d'être devant vous. Alors donc la question, la question que euh, qui me vient en tête est que compte tenu des de, de, de conditions de vie aujourd'hui, puisque la plupart des gens maintenant, avant les gens vivaient tous de manière, la majorité des gens vivaient dans les villages. Maintenant, avec les conditions de vie d'aujourd'hui, beaucoup de gens se trouvent à vivre dans des villes, même en restant au Cameroun. Euh, parce qu'un enfant qui est né à Bafoussam, bien que c'est à quelques kilomètres de Bamunjou euh, la plupart ne sont pas sensibilisés sur la transmission dans de la culture bamilékée. Et encore bien moins ceux qui sont dans les autres villes du Cameroun et hors du Cameroun. Alors. Euh, je, la question donc, que ce que j'aurais souhaité savoir, est-ce qu'au niveau de votre royaume, vous avez créé ce que je pourrais appeler par exemple un camp de vacances ou un stage, pour, surtout pour les tout-petits, parce que les tout-petits, c'est ceux qui retiennent plus vite, euh, pendant les vacances, parce que je reste persuadé que si c'était quelque chose qui était faisable vous risquerez à un certain moment d'être débordé parce que beaucoup de gens aussi bien hors du Cameroun s'ils sont au courant souhaiteraient envoyer leurs enfants, venir passer leurs vacances les grandes vacances pour suivre cette formation ou suivre vraiment donc des informations surtout à cet âge là ils ont la capacité plus de retenir, même si tout de suite ils ne peuvent pas l'utiliser, je reste persuadé qu'en grandissant, euh, cela certainement les aideront à mieux appréhender leur culture. Votre Majesté. Euh, je pense que nous ne devons rien brusquer. Je vous ai dit ici tout à l'heure que pour ce qui me concerne, j'ai déjà pris des mesures et même et je suis soutenu par l'extérieur. Je dis soutenu pourquoi? Parce que... Au niveau du musée de Marcheferie, j'ai même imprimé des livres avec le concours euh, de l'extérieur qui retracent notre culture et que pendant les visites des élèves, on les distribue pour aller étudier. Et je voudrais également vous dire que quand vous parlez, par exemple, faites allusion à l'exode, par exemple, non, les sorties n'est pas aussi si mauvais que nous pensons. Laissez-moi vous dire qu'une fois lorsque j'ai visité, une catacombe en Italie par exemple. Mais c'est à la fin de la visite que le gars qui me présentait euh, euh, cette catacombe me disait qu'il est de Baham. Alors que je, je le prenais à un, euh, un, 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 américain, un noir américain, il me dit qu'il est de Baham. Et il était très content de ce que moi-même j'ai vu et de ce qu'il a vu. Je pense que la richesse qu'il a vue là-bas, dans bientôt, il risque de ramener ça. Et dire que non, au lieu de détruire ceci, ne détruisez pas. Le monsieur qui m'a dit qu'il vous conseille de détruire, il n'a pas détruit ce qui se trouvait chez lui. Je pense qu'on va bénéficier de ça. Ne sont pas pressés, mais prenons plutôt conscience, quand vous êtes à l'extérieur, que vous voyez ce qui se passe et ramenez chez nous. C'est ça que j'ai. Quelques jours, je parlais des gibiers. C'est ça, ça, ça le gibier que nous, on attend de vous. D'aller copier ce que vous avez vu ailleurs pour ramener. Voilà pour qu'on développe ça ensemble pour la protection de notre culture. Alors en tout cas, le débat a tourné, on a parlé de religion, on a parlé, euh, de, on peut dire, expropriation d'idées, puisqu'on touchait à la diaspora. Euh, votre Majesté, avant de conclure, j'ai envie de vous laisser une carte blanche en revenant sur la culture. Euh, je pense que les téléspectateurs qui nous ont regardés ont eu sans doute envie de venir, ne serait-ce que découvrir les traditions, mais en dehors de ces traditions, quels sont les autres atouts qui pourraient peut-être donner envie de venir dans votre région et euh, peut-être ben, de creuser un peu plus pour voir ben, ce royaume aujourd'hui que vous incarnez et que vous portez et que vous défendez en étant n'est-ce qu'ici sur nos plateaux. Euh, je pense que les téléspectateurs, les touristes ont intérêt de visiter l'Ouest Cameroun, la région Bangléke, parce que cette région a beaucoup de richesse culturelle, a beaucoup d'atouts, a beaucoup de choses que les visiteurs peuvent intervenir. Je pense à l'heure où je parle, beaucoup des musées. Il y, a une, il y a une action maintenant de restauration de notre culture en cours que je suis en train même d'apprécier parce qu'il y a une reprise de conscience dans ce sens-là. De manière que si ça continue ainsi, d'ici un peu de temps, notre culture pourra être restaurée. Comme elle existait avant. Voilà ce que je peux vous conseiller. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé de votre temps. Je remercie aussi euh, toute euh, la cour et euh, les personnes qui ont bien voulu euh, vous accompagner euh, ici-même. Je vous espérais que nous vous avons éclairé sur ces traditions en un criant grâce à son immense acceptation, un roi, un vrai qui nous a parlé donc de ses traditions. On peut continuer cette émission, mais cette fois sur les réseaux sociaux, notamment avec un mail qui va s'afficher au bas de vos écrans, Réaction au pluriel, arrobasvoxafrica.com pour toutes vos questions. On se fera plaisir de transmettre à ces administrateurs ici. Et puis, ben, si vous repassez sur Paris et que vous nous faites l'honneur de venir ici, sachez que la porte vous sera toujours grande ouverte. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci. à bientôt. Merci. Bonne continuation Merci. sur Vox Africa.